Merci de votre fidélité à Commode Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actubé. C'est rendez-vous du décryptage, de l'analyse et du commentaire des faits d'actualité qui se passent ici au niveau de la République démocratique du Congo et même au-delà de nos frontières. On va aujourd'hui revenir autour de la sortie médiatique du chef de l'État qui a décrié la mafia au sein de l'armée, mais aussi qui a fustigé l'attitude des sénateurs relative à la non-levée des immunités de Matata Ponyo. Pourquoi le chef de l'État s'est-il indigné? On en parle au cours de cette émission. On va aussi faire les points sur la conférence de presse des évêques de la Cinco qui ont abordé aussi plusieurs sujets d'actualité. Ils ont parlé de la justice, ils ont fait aussi allusion aux élections de 2023 et aux différentes lois qui sont proposées au niveau de l'Assemblée nationale. Sur ces plateaux, je reçois Jean-Pierre Kayembe qui nous reçoit aussi dans ses locaux où il venait d'ailleurs de s'installer il y a peu. Nous sommes là donc dans les locaux des noms à la balkanisation. Bonjour Jean-Pierre Kayembe. Bonjour, ah c'est marrant, vous me recevez, je vous reçois en même temps. Bonjour, bonjour Hervé, bonjour aux téléspectateurs. Merci beaucoup de l'honneur que vous nous faites de venir ici. D'habitude, c'est nous qui venons vers vous. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez estimé bon de venir nous visiter dans ce chantier où nous avons aménagé il y a 24 heures. Grâce à Dieu, nous continuons à faire ce que nous pouvons pour essayer de donner aux internautes du contenu plus ou moins potable. Il faut dire aujourd'hui, il y a une tendance qui se dégage. Auparavant, on connaissait YouTube comme une plateforme où les amateurs venaient travailler, où les gens venaient seulement pour faire des invectives, insulter, où il y avait de la bassesse. Mais actuellement, là, il y a quand même un changement. On sent que dans YouTube, il y a désormais des professionnels qui ils vont travailler. Oui, oui. Je crois que même les amateurs, maintenant, ils sont en perte de vitesse parce que YouTube, ils savent bien diffuser. Effectivement, c'était des polémiques inutiles. Avec un téléphone portable, quelqu'un pouvait se permettre. Maintenant, vous voyez que il y a un changement. Les chaînes qui ont des adresses. Vous avez des chaînes. C'est des entreprises, en fait. C'est des entreprises qui fonctionnent, qui tournent à plein régime, qui ont des adresses, comme ici, nous sommes à la Gombe, un bureau à la Gombe, imaginez-vous, ça me fait quand même quelque chose. Et puis, nous n'avons pas une chaîne monétisée, vous voyez. Donc, cette tendance à professionnaliser des choses, ça n'a pas commencé que chez nous. Christian Bossembe a été un des précurseurs dans le domaine. Il y a Bibi, il y a Bibi Kapinga, il y a Piero Louara. Maintenant, il y a nous-mêmes qui arrivons aussi. Peut-être quand vous reviendrez dans un mois, si le Seigneur nous prête vie, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Et donc, il faut prendre les choses à main et ne pas laisser la chance, l'occasion aux amateurs de donner du contenu à peine non traité, vous comprenez, ou à peine traité. Et c'est ce que nous essayons de faire. Nous pensons que les gens qui sont exigeants et qui préfèrent la qualité comprennent notre démarche et ils s'abonnent à nos contenus. Mais on remarque également une sorte d'émergence des journalistes. Actuellement, les journalistes ne sont plus rattachés à ces vieux médias où on ne paye pas les gens, où les gens sont maltraités, où c'est les boss qui imposent ses humeurs. On sent quand même une sorte d'émergence. Bon, c'est la rupture avec les générations. Les choses évoluent. Les médias anciens ou ce qu'on appelle les médias classiques n'ont pas intégré l'urgence qu'il y a en ce moment d'émigrer vers le numérique. C'est comme ça que nous qui essayons de comprendre les choses, nous prenons le devant. C'est pas facile. Hier, on pouvait faire YouTube avec une caméra et micro. Aujourd'hui, vous avez toute une liste de charges autour de vous, un personnel qu'il faut rémunérer. Voilà, un local qu'il faut payer, l'électricité et les charges qui vont avec. Et donc, nous prenons ça très au sérieux, c'est pas de la blague. Donc, et nous avons l'obligation de mieux faire par rapport à nos aînés qui ont créé des chaînes de télévision, tout ça, et puis qui, à un moment donné, n'arrivent plus à honorer les factures. Bon, j'espère qu'avec le nouveau ministère du numérique, j'espère qu'il y a beaucoup d'autres choses qui arriveront parce que nous sommes butés à des difficultés, le domaine, le secteur n'est pas très, très encadré. La connexion qui pose problème. Connexion qui pose problème. L'Internet, vous imaginez que par mois, nous dépensons jusqu'à $300 de connexion. Mais c'est énorme pour un média qui commence, qui n'a pas de subvention, qui se veut donner du contenu de qualité. Bon, bref, c'est tout ça. Nous espérons que le nouveau ministre y pensera. Sinon, moi, j'ai quelques fois, j'arrive à oublier qu'il y a l'État congolais qui existe parce que si vous vous dites que Fona Zelaka, l'État, ça, la vous le ferez. Très bien. Alors, parlons cette fois-ci de l'actualité. Le chef de l'État, je crois toujours à Bounia, il a tenu une conférence de presse là-bas. Et là, le chef a été très dur. Le chef
décrit la mafia au sein de l'armée. Il s'est dit être déçu par les comportements de nos officiers au sein de l'armée. Alors, est-ce que ce n'est pas le moment cette fois-ci pour la justice de mettre la main sur tous ces gens qui sont cités dans des rapports? D'abord, je suis content du déplacement du président. Mmh. Ça fait longtemps qu'il avait promis qu'il se rendrait dans ces zones. Mmh. Il y est allé, bien que tardivement. Visite tardive, notamment pour ce qui est des Goma, parce que vous savez, quand une maison brûle, et que vous avez des enfants qui appellent, qui sont en danger, qui appellent papa, un père responsable ne peut pas dire aux enfants, écoutez, attendez, je viendrai quand le feu se sera éteint. Un père responsable, c'est celui qui affronte le danger et qui sauve ses enfants du pétrin. Ça n'a pas été le cas. Il y est allé. Mais l'emploi a été fermé. Un président a plusieurs possibilités de se rendre dans une zone en conflit. L'armée est équipée des hélicoptères. Avec un hélicoptère, il pouvait arriver à Bukavu et prendre un hélico. Il pouvait arriver dans n'importe quelle région du pays. Il avait toutes les possibilités d'arriver à Goma en ce moment-là. Il ne l'a pas fait. Bon, j'essaie de comprendre. Bon, maintenant qu'il y est allé, bien que tardivement, je salue ça. Mais le bémol, c'est que, aussi bien à Goma qu'à Beni, en passant par Ituri, il y a des propos qui ont été tenus et qui ne cadrent pas avec le contexte ou qui n'honorent peut-être pas, qui provoquent, qui suscitent des polémiques. Quand, par exemple, quand le président arrive à Goma et qu'il dit qu'il est venu s'imprégner lui aussi de la réalité, c'est inacceptable parce qu'on estime qu'il avait délégué des missions dans ces régions à deux reprises et que lui-même, en tant que président, il est supposé être la personne la mieux informée possible. Quand on arrive à Goma et qu'on arrive le même réduit, jusqu'à ce moment où je vous parle, nous avons jusqu'à 17 500 personnes qui n'ont pas encore été relogées, qui attendent le soutien du gouvernement, qui n'ont pas de nourriture, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas de couverture, qui manquent presque de tout. Alors que le président est allé dans la rue. Quand lui va s'enquérir, lui qui est supposé être informé, amener des solutions, je ne sais pas, son rapport, il le fera à qui? Parce qu'on suppose que les deux missions gouvernementales qui se sont rendues dans la région ont fait rapport au président. Il y a eu même un conseil des ministres sur le sujet. Bon, on comprend. Parce que d'habitude, quand ça chauffe, on dit toujours qu'on n'est pas au courant ou qu'on ne savait pas. À Beni, il a rencontré les enfants. Quand nous avions dit ici qu'il y avait des mineurs, des jeunes gens, qui étaient exaspérés de l'insécurité dans la région et qui ont assiégé la mairie de Beni, ils ont été gazés par les forces de police, ils ont été brutalisés. Les gens nous ont pris, nous ont traités pour des haineux, des gens qui cherchaient à démobiliser d'armes. Aujourd'hui, que le président reconnaît publiquement que ces enfants été maltraité. Je pense que certaines personnes devraient s'excuser auprès de lui. Vous ne demandez pas. Bon, le président l'a fait en demandant pardon à ses enfants. Mais le fait qu'ils disent qu'ils n'étaient pas au courant que ses enfants étaient maltraités alors que les images avaient fait le tour du monde, c'est aussi, ça friserait d'une certaine façon de les responsabilités. Je ne dis pas que le président n'est pas responsable, mais le fait qu'ils disent qu'ils n'étaient pas au courant alors qu'il a plusieurs services qui sont rattachés à lui, qui lui donnent des renseignements au quotidien, ça friserait. Est-ce que ce ne sont pas les services qui ont failli à leur mission? Bon, les services ont-ils failli? Je ne sais pas. Mais comme vous savez, il y a un proverbe chinois qui dit que le poisson commence à pourrir par la tête. Et moi, je demeure convaincu qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il y a plutôt de mauvais chefs. Et le président, au-delà de tout ça, il est sur Internet. Il ne peut pas dire qu'il n'a pas vu nos cris de colère, qu'il n'a pas vu les images de la police en train de gazer ces mineurs. Il en a même parlé lui-même lors d'une conférence de presse, je crois, avec un officiel belge. Il en a parlé. Il a demandé à ses enfants de quitter, de ne pas s'exposer à des intempéries. Ça signifie qu'il était au courant de ce qui s'est passé. Et dire qu'il n'était pas au courant, là aussi, c'était une maladresse. Quand nous arrivons à Ituri, c'est là que le pire se produit. Le président décide de jouer notre rôle. Il prend notre place ou la place de lanceur d'alerte. Il se met à dénoncer. Pratiquement, il le fait le jour jusqu'à Kiamba. Pratiquement, il fait ce qu'il a Sado fait, ce qu'il a Lucha, ce qu'il a même journaliste fait. Un président, ça ne dénonce pas. Ça agit. Vous comprenez?
vous dénonciez avant, quand vous étiez à l'opposition. Maintenant, vous devez agir. Nous, on n'a pas besoin qu'on nous dise qu'il y a la mafia. Nous avons besoin que des gens soient arrêtés. Vous savez, dans ce pays, un président de l'Assemblée nationale s'est levé un matin pour dire qu'il détenait par derrière lui une liste documentée des députés rebelles qui financeraient ou qui entretiendraient des mouvements insurrectionnels dans l'Est. Nous avions demandé que ces députés soient déférés devant leur juge, qu'ils ne soient punis et condamnés ou blanchis de caille. Aucun. Mais voyez, en ce moment, une affaire qui date il y a plusieurs années, l'affaire Bocangalonzo, comment elle a agité les vases déjà très très agités sur le fleuve. Comment on a tout fait pour qu'on lève les immunités de quelques députés et d'un sénateur de l'autre côté de la Chambre. Mais il y a des députés accusés ou soupçonnés d'entretenir des groupes armés, des gens qui sèment la terreur et l'insécurité, qui ne sont pas inquiétés. Kabila, il y a aussi des officiers de l'armée qui ont été cités dans Alors, mais Kabila n'avait même pas réagi. Nous n'attendons pas. Quand on a cité Tangofor, quand on a cité Mundos et d'autres, ils ont d'abord frappé même par des sanctions américaines. Ils ont d'abord de l'Union européenne. Même quand on a cité John Mundi, il a été suspendu de ses fonctions. Suspendu et après? Il a été suspendu le temps. Après promu même. Attendez, le temps, parce que ce ne sont que des soupçons. Des soupçons, des suspicions. Vous voyez, c'est ce que j'ai vu, par exemple, qu'on a demandé au ministre sectoriel de suspendre certains mandataires parce que sur base des rapports de l'IGF. L'IGF fait un rapport consultatif qui n'a pas valeur de la chose jugée. Vous comprenez? Donc, c'était des ONG. Des ONG qui ne vont pas se substituer à la justice. C'est comme ça que pour des mesures conservatoires ont été prises, on met Tangofor de côté, on met Mundos de côté, on met John Numbi de côté, on enquête sur les allégations qui sont portées contre eux. Et quand on a trouvé que ce n'était pas fondé, quand on est accusé, on est présumé innocent. Jusqu'à ce que votre culpabilité ait été démontrée par un jugement qui ne peut faire l'objet d'aucun recours. Vous comprenez? Mais maintenant, Mbosso accuse, il est soutenu par Kaboul, aucun de ses députés n'a été livré. Le président s'amène. Nous n'avons pas besoin de lanceurs d'alerte dans les institutions. Nous avons besoin de responsables qui s'assument. Mbosso est au courant de quelque chose, il dresse sa liste, il l'envoie au procureur général, on lève les immunités de ces gens. Le président est au courant qu'il y a des mafieux au sein de l'armée. Il frappe fort quand il permute, quand il mute, quand il confère de nouveaux grades. Il est le seul. Si hier, on pouvait dire qu'il était bloqué par le FCC, aujourd'hui, là, l'Imperium, il doit agir que de lancer des alertes, tout ça. En ce moment, c'est parce que nous attendons de lui. Nous attendons de lui des sanctions concrètes. Il est président de la République. S'il est au courant qu'il y a la mafia et qu'il a des rapports, parce qu'on suppose qu'il ne peut pas se permettre de dire des choses s'il n'a pas d'éléments. Et s'il a des éléments, qu'est-ce qu'il attend pour frapper? Mais dans tout ça, qu'est-ce que notre justice? On sent notre justice, une sorte de lenteur, une sorte de passivité. Comment un président de la République peut arriver au niveau d'écrier la mafia au sein de l'armée, mais il y a les procureurs qu'il y a, les cours des tribunaux qui sont tranquilles et personne n'y réagit? D'abord, je voudrais parler, je répondrai à cette question, mais à la question du Sénat. Le président dit la mafia, c'est même institutionnalisé. Vous avez entendu avec nous ici qu'il y avait de l'argent qu'on proposait à des députés pour qu'une majorité bascule. Ça, ce n'était pas de la mafia. Des hautes personnalités du pays étaient citées dans cette affaire. Ça ne vient pas de moi, des députés qui étaient courtisés l'ont dénoncé, même s'ils ont fini par mordre à l'hameçon. Est-ce que vous avez vu l'IGF? Est-ce que vous avez vu la justice se mettre en branle? Mais il a fallu qu'un jeune communicateur d'un parti politique à côté dise quelque chose pour qu'il soit manu militari amené dans les couloirs de la mort. Il a fallu qu'à côté qu'il y ait juste un artiste qui chante, qui rappelle aux politiciens leurs promesses. Il dit que ce sont des escrocs parce qu'ils ont tenu des promesses, ils ont promis et ne sont pas revenus pour tenir leurs promesses. Le garçon
a été conduit aussi derrière le barreau. Hier, on a dit que ces députés, ils ont même été suspendus, ils ont été violentés. On leur a mis fermé la porte d'accès à l'Assemblée nationale, leur bureau ou au Sénat. Hier, on a dit que c'était des députés corrompus, majorité factrice. Aujourd'hui, on raisonne avec des cadeaux. Ils ont été sanctifiés parce qu'ils ont traversé de l'autre côté de la rive. Le Sénat, il n'y a pas longtemps, le président a reçu les sénateurs de l'Union sacrée. Il a salué leur courage, la bravoure, le courage politique qu'ils ont pris de suivre sa vision. Mais c'est le même Sénat aujourd'hui qu'on qualifie de mafieux. Et quand on dit qu'il y a la mafia au Sénat, même Bahati n'est pas exclu. Bahati, tous ces gens-là, ils sont là. C'est la question qui me pose. Est-ce que Bahati est toujours en odeur de sympathie avec le chef de l'État? L'affaire Bahati, entre les ratés. Ce qu'il y a entre Bahati et Tshisekedi, c'est ce qu'il y a entre Tshisekedi et Katumbi. C'est ce qu'il faut que. Et pour revenir au problème, c'est que là-bas, vous êtes bon selon que vous tenez le même discours que eux. Mais au-delà de tout, je voudrais encore que ce soit Kabou qui dise ça. Je voudrais encore que ce soit Kabouya qui tienne ce type de discours, mais pas que ça vienne du président de la République. Il parle en fait d'une autre institution. Imaginez-vous qu'aujourd'hui le Sénat se dise aussi que comme il y a trop de dépassements budgétaires à la présidence, qu'on dise qu'il y a la mafia à la présidence. Imaginez-vous dans quelle escalade verbale on sera. C'est ce que je crois, il y a même un journaliste français qui a titré le président ne devrait pas dire ça. Il y a des choses qu'un président, en tout cas, en toute honnêteté, ne devrait pas dire. Alors, pour revenir à votre question, la justice, elle n'est pas lente. Si elle était lente, on ne verrait pas la célérité dans l'affaire Matata ou dans d'autres affaires. Elle est lente quand il s'agit des affaires des gens proches du président. Est-ce que vous avez déjà vu la justice s'élever quand nous parlons quand elle était proche du président, très proche collaborateur du président d'ailleurs, aujourd'hui il est à Makala. Hier, on avait dit que Kamer avait été livré par le FCC. On a dit, ok, le FCC n'est plus. Innocent, blanchissez-le, sortez-le. Aujourd'hui, on en est où? On en est où? Parce que le FCC n'a plus de délégués au ministère de la Justice. Il y a un certain John Touba qui était accusé d'avoir détourné le fonds de 100 jours destiné à chez moi, là-bas au Kassai. Chez nous, courant exacté. Maï exacté, Balabala exacté. Ceux qui ont l'inomo n'a moutou, parce que c'est bon, même ici qui chassait, il n'y a pas courant, il n'y a pas d'eau. Tout va mal. Mais un malin s'est arrangé pour détourner cette affaire. La change au Kassai. On a demandé à l'Assemblée nationale de lever ses immunités. L'affaire, il m'attaque, boum, ça c'est. Dans ce pays, il y a eu, au mois de juillet, un parti politique bien identifié qui a appelé à marcher en plein état d'urgence. Dans ce pays, il y a eu des morts. Des éléments des forces de police ont été brûlés. Un conseil des ministres s'est tenu. Et il a été décidé que des poursuites judiciaires soient engagées contre des auteurs intellectuels et matériels. Il y a eu même des particuliers qui ont payé le lourd tribut. Personne n'a été poursuivi jusqu'à ce moment. Parce que ce parti est proche où c'est le parti présidentiel. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres Makambebele et des gens qu'on a pris en côté de prison à Bini. L'histoire de la milice de Kinshasa, il n'y avait pas plus attentatoire au pouvoir du président de Tshisekedi que cette histoire de milice. Mais vous savez comment ça finit. On a pris un type, on l'a amené à Makala, deux, trois jours après, il est ressorti. Il n'a même jamais été entendu par un juge. Moi, je ne sais pas par quelle alchimie il a réussi à sortir. Aujourd'hui, quand les évêques de la Synchro disent que notre justice est impartiale, et plutôt partiale, ils n'ont pas tort. J'ai cité quelques cas. Au début, Kamer est en prison, condamné en deuxième instance, à 13 ans. Mais l'acteur principal, il y a des tournements il y a 100 jours. C'est Jamal, à lui, on colle 6 ans. Mais autour de ce procès de 100 jours, beaucoup ont été acquittés. Ils ont quitté la prison. Le directeur de l'office des routes est en liberté. Il a même repris ses fonctions, M. Monti Mazakrini. L'ennemi de la Sokok. Sokok, et tout ça, OVD. Oui, il m'a parti aussi. Donc, la justice agit selon. Et c'est là que je donne raison aux évêques. Ils ont totalement raison dans leur dernier message de nous interpeller.
notre justice est plus politisée qu'elle n'avait été avant. Et il y a, Papita, si c'est pas pour reprendre son expression, il dit, il y a des gens maintenant, il les appelle des coupeurs des têtes de présidentiables. Donc, quiconque nourrit en ce moment les ambitions de ses portées candidats, on les trouve n'importe quel dossier. Ou quiconque prend le courage de dénoncer le mal, comme nous en ce moment, nous sommes la cible de prédilection de certaines officines qui nous pistent, qui nous localisent, qui cherchent à nous faire du mal. Comment voulez-vous qu'on recule tant que le mal est encore profond? On ne va pas reculer s'il faut qu'on meure, parce que nous dénonçons le mal, nous accepterons. Il y a des pires événements qui ont été commis, mais je n'ai pas vu monter au créneau pour décrire tout ça. On a assiégé ici la cathédrale Notre-Dame du Congo, on parlait des militants venir à bord des bus transco, estampillés, peu perdus, vous ne l'avez jamais décrié. Il y a des prêtres qui ont été gazés ici, des bébés qui ont été gazés dans des maternités, vous ne l'avez jamais décrié. Peut-être qu'en ce temps-là, vous ne me suiviez pas des faits. J'avais dénoncé cette brutalité de ces bavures policières. J'avais dénoncé ce qui était arrivé à mon ami et cousin aussi et à son homme. Autant, j'expliquais que la démarche de la CENCO était quelque peu politisée. Mais c'est aujourd'hui que je comprends finalement que la CENCO n'était ni à l'opposition à l'époque et qu'elle ne l'est pas non plus. J'en profite en tout cas pour faire mon mea culpa. Parce que, en son temps, nous avions été réconfortés dans notre position, notamment par les propos de Jean-Marc Kaboul, 50-50, qui déclara, vous l'avez dit, 50-50, cette participation, ou cette mobilisation participative. Aujourd'hui, quand je regarde, je dis, mais bon, la CENCO pactise avec qui? Il est avec qui? Avec le FCC, je regarde, je dis, non, mais c'est des anciens ennemis, je ne pense pas qu'ils se sont rapprochés. Est-ce que c'est avec Fayoulou? À un moment donné, on pensait que la CENCO voulait contre Fayoulou. Mais j'ai vu, il n'y a pas longtemps, autour de la question électorale, se sont brouillés. Et donc, catholique, moi-même, j'ai fini par comprendre que nos pères évêques sont effectivement au milieu du village. C'est une église au milieu du village. J'encourage l'église catholique à continuer à percer sur cette lancée. Et je voudrais, en tout cas, ici, comme je l'ai dit, faire mon mea culpa, présenter mes excuses. Mon père avait été incompris, comme Kabila l'avait été aussi, à un moment donné. Et je pense même que quand ils reviennent, à un moment donné, surtout Bazoli, Pézé, ils se disent, mais bon, peut-être que, soit on ne comprenait pas Kabila, ou c'est lui qui ne comprenait pas, ou ses militants. Parce qu'il faut regarder comment aujourd'hui, les gens de l'UDPS insultent les intercatholiques. Mais ils oublient que si l'UDPS est là, c'est notamment grâce au concours de l'Église. L'UDPS était aux abois à un moment donné dans ce pays. L'UDPS n'a pas réussi à mobiliser. Vous connaissez l'histoire de Marrakech. Quand on appelle à manifester, Félix Tshisekedi prend l'avion, il va regarder un match de football avec Katumbi à Marrakech, au Maroc. C'est dans ce pays que l'UDPS, que l'Église catholique s'est mobilisée, qui avait l'opération Jeudi Cloche. Enfin, il ne faut pas être amnésique. Il y a des gens qui pensent que le Congo a commencé quand eux, ils se sont réveillés. Ou quand eux, ils ont commencé à comprendre, à parler politique. Vous savez, quand on regardait nos jeunes frères, ou nos aînés à nous qui sont dans le Parlement de nous, juste ceux qui ont mis à côté, moi, ma toi, mon kéoyo, ma kamoya, ou ma kona, ou kolobame. On est où? Bon, en tout cas, je ne voudrais pas entrer dedans. Mais sinon, très bien. S'il y a des abus qui ont été commis sous Kabila, je ne suis pas ici en train de dire que Kabila était saint. Pas du tout. Quand on gère, comme disait François Mitterrand, le bon président, c'est le président à venir. Et le meilleur président, c'est le président de France. Le président qui est à mort. Vous comprenez? Non, c'est ce que j'ai dit. Il disait, le bon président, c'est l'ancien président. Parce que on va coter le nouveau président sur base du travail fait par l'ancien, par son prédécesseur. Et le meilleur président de tous les temps, c'est celui qui est déjà mort. Aujourd'hui, les gens regrettent Mobutu Sambi.
comprenez. Donc, s'il y a des abus qui ont été commis sous ce mandat, il faut les condamner. Autant qu'on ne peut pas accepter que ce qu'on a condamné hier se répète aujourd'hui, personne n'est prêt à ça. Il y a aussi l'affaire des Gilles, des députés qui suscite aussi de la polémique. Alors finalement, on ne sait plus comprendre cette affaire des Gilles. Est-ce que c'est un cadeau du chef de l'État? J'ai vu une vidéo de Daniel Safou qui est en train de circuler. On aurait promis des Gilles aux députés, de l'autre, c'est les gens qui ont voté Gilles. Ce n'est pas un cadeau, on va commencer à structurer quelque chose dans leurs évolutions. Alors finalement, c'est quoi la bonne information dans cette affaire des Gilles? Non, la bonne info, c'est que Mbosso a dit. Mbosso a dit que c'était un cadeau. Nous, on s'en tient à ça. Eliezer dit que ce n'est pas un cadeau. Eliezer n'est pas la source crédible. Eliezer, c'est aussi un député. Eliezer est turiféraire. Bénéficiaire des 500 titres. Mbosso est président de l'Assemblée nationale. Et ces jours-là, il parlait à ses collègues députés à huis clos. Il y a eu malheureusement soit une top, un infiltré. Parce que comme ils sont là au sein de l'Union sacrée, c'est pas homogène. Il y a toujours de la méfiance. C'est un truc assis sur du sable. C'est pas du solide de l'Union sacrée. Donc à tout moment, ça peut s'écrouler. Alors, ce que Mbosso a dit, a fuité. Nous nous en tenons à ça. Et avant ça, nous savions tous que dans la bataille pour la conquête de la majorité au sein du Parlement, des promesses avaient été faites. Certaines avaient été réalisées. L'histoire des 7 millions avant la signature, 7 après la chute du bureau. Ce sont les députés eux-mêmes qui dénonçaient, même si certains avaient fini par traverser. Et nous savions que dans les lots de ces promesses, il y avait la Jeep. Alors comme ça traînait, vous avez vu que les députés ont rejeté la loi d'habilitation. Et là, ça créait quand même une méfiance. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une promesse qui tardait. Et c'est comme ça que pour calmer les jeunes, Mbosso s'est sentant lui-même sur une pente expulsable, a sorti cette histoire. En fait, lui, il pensait mieux faire. Il pensait plaire au président. Il pensait convaincre les députés. Mais il a allumé le feu sans le savoir. Parce qu'en ce moment, imaginez-vous que les Congolais se disent, au moment où les gens qui sont à Goma manquent de tout, au moment où chez moi au Kassai, des millions d'enfants meurent de malnutrition, ils n'ont pas de nourriture, au moment où l'armée a besoin d'argent pour faire face à l'insécurité, au moment où en ce moment, en plein Covid, les hôpitaux sont bondés et les infirmiers sont en grève. Est-ce que vous imaginez la gravité que vous avez de la COVID-19, un pays depuis 7 mois? Un pays. Vous avez les députés provinciaux qui accusent jusqu'à 16 mois d'arriérés pour certains. Vous avez la gratuité d'enseignement qui bat de l'aile. Vous avez nos ambassades à nous. Nous avons des ambassadeurs qui sont SDF en ce moment, notamment en Allemagne. Nous voulons faire du Congo l'Allemagne d'Afrique, mais notre ambassadeur en Allemagne est un sans-abri. Il n'a pas de logement parce que insolvable, vous comprenez. Mais nous permettons de dépenser jusqu'à 30 millions de dollars pour donner des véhicules à des députés. C'est une pratique qui ne va pas commencer aujourd'hui. Nous dépensons 30 millions. Sous Vital, les députés avaient été aussi dotés. Il y a une différence. Les gens ont dit que Kabila a donné des véhicules. Kabila n'a jamais fait cadeau aux députés. Et même quand Kabila a donné, ça suivait le circuit institutionnel. Il a donné des véhicules aux généraux. Il a donné des véhicules aux magistrats. Ce n'était pas l'individu Kabila. Ici, on présente comme si c'est la personne du président qui donne. Ce n'est pas l'État congolais qui donne. Ok, si c'est le président qui donne, si c'est l'individu Félix Tshisekedi qui donne, il faut qu'on calcule quand même. Si son salaire est de 15 à 20 000 dollars sur 2 ans et demi, je ne pense pas qu'il a 500 000 dollars dans son compte. Ok, et ces véhicules vous coûtent jusqu'à 30 millions. Le reste, c'est toi. IGF, est-ce que tu peux enquêter? Si c'est l'État congolais. Ce n'est pas un cadeau. Eliezer Tambour a marqué. Non, non. Ça. Si c'est pas un cadeau. Non, on a dit que c'était un cadeau. Si c'est l'État congolais qui donne, c'est sorti sur quelle enveloppe, dans quel budget, c'était voté par qui? Parce que ce que moi je sais, depuis les débuts, des banques ne veulent pas faire confiance à... On trouve que nos institutions sont instables. Vous voyez.
on trouve que nos institutions sont instables. Déjà, comme au début, il y avait des menaces de dissolution, tout ça. Alors, tout le monde attendait la fin de la première année pour voir s'il faut faire confiance, s'il faut qu'on puisse vraiment crédit ou pas. Et on a vu que les choses allaient crescendo comme ça, qu'aucune banque en ce moment, déjà si depuis le début, les banques n'ont pas accepté. Vous pensez qu'une banque peut accepter ou un concessionnaire peut accepter d'injecter jusqu'à 25 à 30 millions de dollars dans une institution où il n'est pas sûr de la couronner. Mais ceux qui, ça paraît comme de la corruption. On va terminer l'émission. Je préfère qu'on puisse aborder effectivement. Nous avons une mobile. Je venais en habitude à Kinshasa, à l'été, à mesure, pour la COVID-19, troisième vague, à Amman, à Kando, dans la R, il y a couvre-feu, 10 000 francs à Amman, 50 000 francs, je crois. 10 000 francs. 10 000 francs. Bah, on a 4 bars, 4 y a boîte, 10 000 francs, je crois. La barre, 10 000 francs, couvre-feu, 50 000 francs. Ouais. Alors, bon, on a un an, est-ce que, même l'Assemblée provinciale même, bah au courant, il y a ma décision Ngobila, vu que ça va décision prise de manière cavalière. En principe, Ngobila, il ne mérite pas d'être à ce poste. Je ne sais pas pourquoi Godin Poyet touffe la motion initiée contre lui. Il est à l'image de d'autres gouverneurs qui ont failli à leur mission. Oui, oui. Les et cabinet. Même cette Assemblée provinciale, c'est là que je soutiens Bikaï. Surtout qu'on a le courant. Non, Zoé Kabila, il y a quand même, derrière moi, il a été débuté pour incompétence. Incompétence, mais gestion. Moi, je suis allé dans le Tanganyika, j'ai été à Kalemie, j'ai été impressionné. Kalemie, sous Katumbi, c'était une vaste brousse. Aujourd'hui, c'est une ville moderne. Très bien, je veux vivre du tourisme. Mobile. Covid, ce qui est allé à ta mesure, on va en à Lobati. À Zoati, et à Lobati, à ta mesure draconienne, étant à Lobi. On a vu, déjà entendu et du jamais respecté. Parce que dans le monde de l'autorité, là, ça ramasse les têtes. Dans le monde de respecter la distanciation, c'est dans le monde de l'accomplissement et de l'air. Disons que mon acquis, comment Ngobila a livré la population de Kinshasa aux forces de l'ordre. Il y a eu des abus terribles. Il y a eu même une fille qui est morte dans la première vague. À Kolandaye, dans la police, à Koya, à Koufaka. On sait Salimati, qui de l'on a effectué cette affaire. Sikawa, il y a un lobby. Non, ce qui va quand on a barre au football. Ce qui boit au football. D'abord, Bongoana, c'est comme ça qu'on a. Une condition à Kagyo. On va donner aux policiers. Est-ce qu'on va nous délivrer une quittance? Est-ce que vous sentez, rien qu'en écoutant ça, vous sentez que c'est des mesures prises dans la précipitation. Parce que Fobayo Kake, le gars, on a un lobby, il y a tout son aloba. Et puis on dirait que tout ça qu'on s'est triché. Tout ça qu'on a matin, qu'on s'est marqué. Ce que pour notre troisième vague, nous que notre troisième vague. C'est vrai, Covid, les amis. Mais n'oubliez pas qu'en ce moment, tout ça, on a changé la saison. Et changement à saison, ils ont ça là que grippe et tout ça qu'on a fait. Grippe, les amis. Maladie, mon souci, les amis. Et ça fait que. Changement à saison et accompagner à tout le monde, la grippe, la fièvre, tout ça. Est-ce qu'il y a encore un athée? Il y a comme ça la kebande, comment le bâcher? Les alliés Covid, troisième vague n'a évité pas, et comment l'angoisse que l'on a, on a dit Covid, deuxième vague, il suffit de continuer la deuxième vague. Ce qui est le troisième vague, il suffit de continuer la troisième vague. Vous comprenez? Mais sinon, ma mesure en Gobila, c'est vrai, ce qui est malade des alliés, effectivement, il faut que ma mesure, il joue à ma, il y a la drastique. Parce qu'on a constaté que la première vague, les gens ne respectaient pas les mesures. Mais si les lots, est-ce qu'on dit que le tabac est un peu plus tard dans la boîte de l'île? Bien sûr, c'est un peu plus tard. Est-ce qu'on dit que le couvre-feu, comme on a un poste de péage, puis on va faire un militaire, la police militaire, c'est-à-dire que la casserie comme une source double. Est-ce qu'on dit que ceux qui ont un bon, on peut plus circuler comme tu veux à Kinshasa? Donc, moi, je pense vraiment que. J'ai envie de voir ce qui va se faire. Comment? Très bien. Ouais. On a terminé l'émission en quelques secondes. La caméra est là devant vous. Votre dernier message au public, puis on va se préparer. Mon message, c'est que je voudrais dire à certaines, à ceux qui pensent que je suis contre opposé au président Tshisekedi,
c'est bien au contraire, je l'aime beaucoup. C'est comme ça que je m'efforce, je prends des risques pour lui dire la vérité. Lui dire c'est que les turiféraires qui sont autour de lui ne lui disent pas. Le président Tshisekedi a dit lui-même, une fois sur Radio Vatican, que ce qui aurait coûté cher à Kabila, c'est parce qu'il n'était pas bien. J'ai l'impression que lui-même n'est pas bien. Je note aussi avec regret que chaque sortie médiatique du président suscite fantasmes et polémiques, je ne comprends pas. Quand il accorde une interview, il y a toujours quelque chose à réduire, quelque chose à corriger. Vous avez entendu par exemple l'histoire des Américains qui n'auraient pas du coltan, de l'or, ainsi de suite. Ou du Congo qui serait le pays le plus, qui a le plus de voisins à travers le monde. Ça, c'est peut-être mineur. Et il y a bien plus. Est-ce que avant Luakabouanga et Lili Omanga est pire qu'après eux? Non, c'est la même situation. C'est la même situation. Les choses n'ont pas évolué. Eric Mindou, qu'on a tant vanté, n'est pas à la hauteur des responsabilités qui lui sont confiées. Lili, on la connaissait par exemple, et là il est avec Cameroun, il a bien travaillé avec Cameroun. Moi je suis journaliste, je suis à Kinshasa, ça fait 2 ans. Eric Mindou, je ne le connais pas. Je ne sais pas, il est sorti d'où. Il a travaillé à TV5. À TV5 Monde, il a travaillé dans VOA. Il passait où VOA, je ne sais pas. Mais au fait, c'est que le problème, c'est qu'on va comprendre. On peut être très bon journaliste et mauvais communicateur. Hein? C'est pas pour rien qu'à l'université, vous avez communication des organisations, communication de ceci, et puis journalisme dans cela. Vous comprenez? C'est pas la même chose. Donc vous pouvez bien parler français, mais être un très très mauvais conseil. Parce que les gens, ils pensent très que, bien. À ce moment, on pense que faire la communication du président, c'est relayer ses activités. Non, il y a bien plus que ça. Il faut qu'il y ait une stratégie bien montée. C'est beaucoup. Non, ils pensent que Bangoubakouba reporter, la présidence n'est pas immédiate. Nous, on n'a pas besoin d'être informés. Vous ne faites pas le boulot de nous informer. Vous devez nous faire consommer le président. Très bien. L'émission est terminée. Jean-Pierre Kayembe, merci de votre disponibilité. Merci à vous. J'invite aussi internautes. Bakot a une chaîne YouTube. Non à la balkanisation TV. Konan est aussi à la Kabaka Monabiso. Attends la page Facebook Nangaï Jean-Pierre Kayembe Tatou. Ceux qui ont commis l'ingaï à table, viennent à correspondre. Attends le numéro de téléphone 097-299-99 plus 243-97-299-99. Ningiming Salelanga audio, surtout au Bengi, l'intention aussi Nangaï. Comme je n'ai plus beaucoup de temps, n'avons pas de téléphone. Et puis, j'ai bloqué le numéro. Et puis, je me suis rendu compte que j'ai déjà bloqué 2500 personnes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Fin de cette émission. À toutes et à tous. Merci de l'avoir suivi.